Donc le but du jeu, ça va être d'attraper un maximum des jetons qui sont sur la table. D'accord ? La première possibilité, c'est d'utiliser la voiture. La passion du jeu, Arnaud et Yann en ont fait leur métier dans leur magasin à Bailleul. Il y en a pour tous les goûts, jeux de stratégie, mémoire, réflexe, logique, rapidité. Chacun pourra choisir en fonction de ses goûts et l'indécis peut même essayer. Tous les jeux qu'on a à la vente ici, on a un exemplaire de démonstration. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que vous nous montrez, on est capable donc d'ouvrir la boîte, de vous expliquer le jeu, vous pouvez faire quelques tours pour justement le découvrir un maximum. Parce que le jeu, en fait, c'est avant tout une expérience. C'est pas en regardant au dos de la boîte que vous allez savoir si jamais c'est vraiment ce que vous recherchez. Alors, faut prendre, alors blanc. Le village du jeu propose plus de 800 références des jeux produits en grande série, mais aussi ceux sortis de l'imagination de jeunes créateurs, produits par de petits éditeurs, de l'artisanat en quelque sorte. Par exemple, un jeu de stratégie qui va durer 3 heures, vous n'allez pas avoir la même ambiance que dans un jeu d'ambiance justement qui, lui, dure 5 minutes où c'est la déconnade assurée, quoi. Et puis, c'est aussi l'idée d'expérimenter des choses dans un univers qui est coupé de la réalité. Donc, dans un jeu, je peux me permettre de voler, de tricher, ce que je ne ferais pas forcément dans la réalité. Et je peux très bien jouer à un jeu de société avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est quand même un moment privilégié, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage, en fait, avec cette personne-là, enfin, ou ces personnes autour de la table. Je défausse la carte du lieu où je suis. Là, je suis à Moscou. Les deux compères offrent aussi la possibilité aux mordus de jouer sur place des parties entières. Ils proposent des activités et des formations aux écoles, entreprises, hôpitaux et autres ludothèques. Pour les trouver, un indice, c'est à Bailleul, près du Beffroi.